auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le Fonte d'Espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous vous remercions, n'est-ce pas, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui avez partagé mes études dans différents groupes de Facebook, je vous remercie, Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Vous qui n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle étude dans chaque semaine. Donc, nous étudions ensemble les doctrines bibliques. Nous avons un sujet très important qui est le règne de l'Antichrist. Donc, nous avons un nouveau point aujourd'hui qui est la durée du règne de l'Antichrist. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la durée du règne de l'Antichrist. Encore, la durée, n'est-ce pas, du règne de l'Antichrist. La durée du règne de l'Antichrist. Après avoir étendu progressivement son règne, ok, première partie de la tribulation, 3 ans et demi, l'Antichrist exercera sa dictature. Après avoir étendu progressivement son règne, ok, première partie de la tribulation, 3 ans et demi, l'Antichrist exercera sa dictature mondiale pendant 42 mois. 42 mois, soit 3 ans et demi. Ok, Apocalypse 13, verset 5, B. Montre ça. Verset 5, B, montre ça. Il dit, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ok, il y a le pouvoir, Antichrist, il y a le pouvoir pour agir pendant 42 mois. 42 mois, nous t'expliquons ça. Dans le calendrier grégorien, hein? Nous dit 42 mois. Eh bien, c'est chaque mois, c'est 30 jours. Ok? Yon année, c'est 360 jours dans le calendrier grégorien. Donc, c'est 360 jours. Ça veut dire 42 mois, c'est 3 ans et demi. Ok? Matthieu 24, verset 22. Ils sont ensemble. Matthieu 24, verset 22. Le texte a dit ici, il dit, et si ces jours ne t'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ok? Ces jours seront abrégés. C'est ça? Ces jours seront abrégés. Ça veut dire qu'il y a réduit. À cause de monde qui a pris pour sauver parce que la terre va consacrer les problèmes. N'entends ça. Son règne se terminera par la venue de Jésus-Christ. L'Antichrist l'a terminé par la venue de Jésus-Christ. Il a retourné avec l'église sur la terre. Qui a passé 7 ans en l'air. Sous terre. Il a établi règne millénaire. Nous sommes capables ensemble de Thessaloniciens 2, verset 8. De Thessaloniciens 2, verset 8. Il dit, et alors paraîtra l'impie. L'Antichrist, qui le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Il va détruire l'Antichrist qui t'a dominé sous la terre. Là, qui devient un plastique de Michita dans le temple là. Il va détruire avec le souffle, avec. Il dit ça, oui. D'après verset 8, il dit par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, de la terrible bataille d'Amageddon, on ne parle pas de ça. La terrible bataille d'Amageddon, la fameuse bataille d'Amageddon, eh bien, c'est là. D'après Apocalypse 16, verset 13 à 16. Apocalypse 13, Apocalypse 16. Verset 13 à 16, clair, le texte ici a dit, et je vis, n'est-ce pas, sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête. La bouche du dragon n'est pas l'autre que Satan. De la bête. La bête ici, vous pouvez écrire, c'est la bête qui monte de la mer, qui est l'Antichrist. Et de la bouche du faux prophète, la bête qui monte de la terre. Il dit, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Verset 14. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Vous voyez ce que ça dit? Ce sont des esprits de démons. C'est esprit de démons qui t'a fait miracle là. Des monde qui ouais les miracles fait, tu tout penses c'est bon Dieu. Non. Al garder nature miracle là pour dire ce qui miracle ça vient de Dieu ou pas. Vous voyez ça dit là? Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Verset 15.
Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Et ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Amagédon. C'est là la bataille d'après fait. La bataille d'Amagédon. La fameuse bataille d'Amagédon. Dès que ça retourne avec l'Église, vient établir Réli sur la terre. Waouh! Apocalypse 19, verset 17-21. Il dit: Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par les milliers du ciel: Venez rassembler, venez, rassemblez-vous, car le grand festin de Dieu, verset 18, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, par les milliers du ciel, venez, rassemblez-vous, car le grand festin de Dieu, verset 18, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libre et esclave, petit et grand. Verset 19. Et je vis la bête. Qui est-ce que tu vois? Je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Nous allons faire la guerre avec Christ qui a retourné avec l'Église. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs amis rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son ami. Verset 20. Et la bête fut prise. Vous mettez main sous lui. Vous mettez main sous bête là. Sous lui. Et avec elle, avait dit avec bête là, le faux prophète. Ouais, la bête ici c'est l'antichrist. Il se mettait main sous lui. Et avec lui-même, faux prophète là, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Il te fait mounio, prend marque là, mette marque là sur yo. Et adorer son image. Il fut tous les deux. De qui est ça yo? Bête là et faux prophète là. Ou bien nous a dit, Antichrist là et faux prophète là. Yo prend tous deux. Yo quitte diable là. Yo quitte dragon qui c'est Satan. Yo prend deux ça yo. Satan te voye. Antichrist prend yo. Il fut tous les deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Yo la guio dans l'enfer. Fini. Yo la guio dans l'enfer. Kounia Christ quitte seulement dragon qui c'est Satan. Et les autres furent tués par l'épée, l'autre mounio, qui sortait de la boue de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasiaient, n'est-ce pas? Se rassasiaient de leur chair. Les oiseaux pour manger chair. Waouh! Il dit, lors de la terrible bataille d'Amagédon, qui consommera la défaite de l'Antichrist? Bataille d'Amagédon, le calme était fin avec Ray Antichrist là, avec tout faux prophète là. Antichrist là, à faux prophète là, Jésus prend la guerre dans l'enfer en premier. Kounya, diable va rester là. Il va rester là. La Bible montre nous dans Apocalypse 20, l'Éternel prend le maril, prend le métal en bas code, il prend l'huile pour Milan. C'est ça qu'on a nous entré dans Ray millénaire. Donc, puisque Satan en bas code, eh bien, la terre elle connaît 1000 années de paix. Ok? C'est le règne millénaire. Waouh! L'Antichrist et le faux prophète seront alors jetés dans les temps de feu. D'après Apocalypse 19, verset 20. Ok? Antichrist là et faux prophète là, ils vont jeter dans les temps de feu. Il dit que cette destinée finale de l'Antichrist est aussi révélée par son nom. Fils de perdition. Nous venons ça dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, fils de perdition. 2 Thessaloniciens 2, verset 3, sens, c'est lui qui est voué à la perdition. Comment le dire? C'est lui qui est voué à la perdition. Donc, l'action de Satan sur la terre, ce sera aussi à ce moment-là. Action Satan. Satan qui a fait mon crier maintenant sur la terre. Waouh!
cap la qui est tout mal, tout crime. Quand t'as qu'à faire mon crier maintenant sous la terre. Wow. Cap la qui est tout mal, tout crime qu'a fait sous la terre. Il dit l'action de Satan sur la terre, les six man, ce sera aussi à ce moment-là. Les prophètes. Côté Noé ça, qui montre ça? Apocalypse 20, verset 1, 2, il montre. Il dit Satan lié pour mille ans. Rey des fidèles et des Christ. Jésus tourne avec l'église sous la terre, Satan marie en bas corde pour mille ans. Il dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Qu'est-ce qui est clé à la main? Un ange, la clé de l'abîme. Et une grande chaîne dans sa main, ange là. Il y a une clé abîme dans la main et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon. Il saisit. Il met les mains sous l'ennemi. Goto wak tab tabay wè nan. Li saisit. Le serpent ancien. La Bible, le serpent ancien, il fait référence avec Genèse 3. Satan vient dans Genèse 3. Il dit, Eve, est-ce que bon Dieu t'a réellement dit pour ne pas manger tout pied dans le jardin? Il dit, bon Dieu connaît, je vous mange. Je ne mange pas mourir. Ne va pas mourir non, je ne mange je non pas mourir. Il dit non pas mourir. Mais bon Dieu connaît, je ne mange n'a vinn bon Dieu tout. Je n'a vinn mauvais, n'a vinn connaît bien avec mal. Et ça fait texte arrivé là, le serpent ancien qui est le diable et Satan. Il le lia pour mille ans. L'ange là. Il prend chaîne là qui avait la clé de l'abîme. Une grande chaîne dans sa main, l'ange là, qui s'appelle Lilié, il mettait en bas corde pour Milan, la paix. Le règne de paix, n'est-ce pas? Yes! Ceci, n'est-ce pas, pour une durée de 1000 ans. Les en bas corde pour 1000 ans, maintenant qu'on y a Satan pas sur la terre encore. La terre, maintenant, pour qu'on ait le règne. Le règne de 1000 ans. Les en bas corde pour 1000 ans, maintenant qu'on y a Satan pas sur la terre encore. La terre, maintenant, pour qu'on ait le règne de paix, le règne de Christ. Waouh! Et pour qu'on ait le règne de paix, le règne de Christ. Maintenant, pour terminer, nous avons étudié avec vous, ensemble, sujet ça, qui c'est le règne de l'Antichrist. Qui s'en est appris dans le règne d'Antichrist? Nous avons ensemble, généralité, les caractéristiques du règne de l'Antichrist, la personnalité de l'Antichrist, la manifestation de l'Antichrist et la durée du règne de l'Antichrist. Nous te voyons ensemble, généralité. Nous te voyons ensemble, généralité. Après généralité, nous te voyons ensemble les caractéristiques du règne de l'Antichrist. Nous te voyons les caractéristiques du règne Antichrist. Et nous te voyons ensemble, personnalité Antichrist. Qui est-ce? Notre manifestation de l'Antichrist et notre ouais ensemble. La durée du règne de l'Antichrist. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, like, faites des commentaires. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous avons étudié ensemble avec vous le règne de l'Antichrist. Et de me partager étude pour que ce monde arrive à connaître. Parole bon Dieu. C'est but non ça, c'est objectif non ça, faire, n'est-ce pas? Notre objectif, c'est de faire connaître la parole de Dieu. C'est de faire connaître l'évangile. Ça, c'est mon grand but. Ça, c'est mon grand objectif. Aidez-moi, s'il vous plaît, à partager, n'est-ce pas, mes études de différents groupes de Facebook. Je vais continuer à vous bénir aussi. Vous remercions, vous, n'est-ce pas, qui avez abonné.